En France, en 2018, tout contrat confondu, les salaires des femmes sont inférieurs de plus de 25% à ceux des hommes. On en reste encore au salaire d'appoint du début du XXe siècle. Il faut donc adopter des lois contraignantes pour concourir à l'égalité professionnelle. Au cœur de cet écart de salaire, il y a le temps partiel imposé aux femmes massivement, notamment dans les grandes filières comme celle du commerce. Il faut donc agir contre ce temps partiel imposé aux femmes. C'est le sens de la loi que nous déposons avec mes collègues du groupe GDR. Madame Pénicaud, la ministre du Travail, dit toujours qu'il faut convaincre les entreprises, faire des prises de conscience. Ça fait 40 ans que ça dure. Maintenant, nous sommes décidés à faire en sorte que les femmes aient l'égalité des salaires.